ne dis pas ça à Karine. Mais comment? Non, est-ce que c'est comme ça qu'on faisait? Avant, quand je t'appelais, tranquillement, tu venais. Maintenant, quand je te dis, viens, Karine, tu deviens, c'est comment? Karine, j'ai l'impression que tu oublies vite. Attends, Karine, souviens-toi très bien, souviens-toi. Karine, je t'ai trouvé où? Au bar. Grâce à moi, tu es parti du bar pour le snack. Grâce à moi, tu es parti du snack pour les restaurants. Grâce à moi, tu es parti des restaurants dans les boîtes de nuit. Karine, grâce à moi, tu as pris l'avion. Et on les voit là. Karine, je n'ai pas quoi. Fais quoi pour toi? Tu as même pourri le téléphone ici. C'est moi qui t'a acheté le téléphone avec lequel tu fais les selfies, tu poses sur tes statuts. Pas parce que ton niveau de dragon romantique que tu as parlé comme ça. Hein? Mais non, madame, respecte-moi. Karine, ça te coûte quoi? Il te dit que accompagne-moi au deuil. Karine, quand il te dit qu'accompagne-moi au deuil, est-ce que c'est que c'est au deuil qu'on parle? Accompagne-moi au deuil, c'est le prétexte que nous qui travaillons, on perd son poids à l'autre deuil comme ça là, parce qu'on veut partir avec vous. Non, Karine, vraiment, ne me dis pas que tu ne sors pas. Voilà, attends. Depuis un moment là, il te voit poster certaines photos là, les photos d'une maison là. Tout le temps tu postes des photos de la maison, c'est la maison qui? Hein? Eureka! C'est l'appartement meublé, hein? Voilà, c'est l'appartement meublé. Karine, ne me prends pas comme quelqu'un qui est né de la dernière. Écoute-moi très bien. Karine, on est en novembre. Fin novembre, appartement meublé. Quand tu aperçois la nuit, causerie nocturne. C'est clair. Tu attends le Menguis. Karine. Comme c'est comme ça, non? Moi, je suis ici, là, je file de t'arranger pendant 11 mois, je travaille. Donc, le courant va venir pour 2 semaines, il va prendre tout le travail qui est fini. Tout le temps, je peux prendre le ballon dans la surface de réparation. Je dis tout le stade. Arrivé au moment de marquer, je ne marque pas. Quelqu'un vient marquer. Karine, tu es ma maîtresse. Et j'ai investi longuement pour ça. Sache que pour ce Menguis, tu es un chameau. Tu es ma maîtresse, pour lui tu es un chameau. Respecte ton rang. Non bon, ça va. Non, le ballon est plutôt hein, ça va. Prends, c'est moi qui ai acheté le téléphone là, non. Le téléphone que j'ai acheté là. Prends le téléphone là. Prends le téléphone. Tu désinstalles Instagram. Tu désinstalles WhatsApp. Tu désinstalles Facebook. Tu me désinstalles tous les trucs qui te font avoir les filtres. Tu comprends que tu es belle là. Oui, désinstalle-moi tout ça, tu me remets mon téléphone. Et si j'apprends que tu as ouvert un autre compte Facebook, un autre compte WhatsApp, un autre compte Messenger, je te jure, je te porte plainte. Eh bien, fous-moi le camp, tu es qui? Bah, il va partir prendre un petit parfum qu'il achète dans la solde là, les eaux de toilette même. Eh bien, fous-moi le camp, les vrais Menguis, c'est pas en décembre qui viennent, madame. C'est pas en décembre. Tu parles de quoi là? Comment ça? Maîtresse indigne. Une maîtresse indigne. Eh bien, fous-moi le camp. Mon frère, il faut bosser. Faut pas toujours attendre qu'on te donne. Ne pas jamais baisser. La vie n'est facile pour personne. Moi, j'ai tchakalisé. Je suis tombé, je me suis relevé. Aïe, ils m'ont banalisé. Mais aujourd'hui, je ne fais que monter. Aïe, la vie, oh, la vie, oh, la vie, oh. La vie, oh. C'est pas facile, oh, facile, oh, facile, oh. C'est pas facile, oh. La vie, oh, la vie, oh, la vie, oh. C'est pas facile, oh, facile, oh, facile, oh. C'est pas facile, oh. Manger l'argent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bosser l'argent, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Manger l'argent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bosser l'argent, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Pour être quelqu'un, oh mon père, il faut bosser.
c'est dur comme mon soeur, faut jamais baisser les bras. Salamou salana yo ya ya, bozoa li fouta na yo. Salamou salana yo, bozoa li fouta na yo. Tu mangeras à la sière de ton fond maman. Y'a pas de récompense pour les paresseux mon frère. Va toi. La vie oh, la vie oh, la vie oh. C'est pas facile oh, facile oh, facile oh. C'est pas facile oh. La vie oh, la vie oh, la vie oh. La vie oh. C'est pas facile oh, facile oh, facile oh. C'est pas facile oh. Manger l'argent c'est bien. Bonjour madame. Oui, bonsoir. Excusez-moi, vous habitez le quartier? Oui, pourquoi? Je cherche un certain Oscar. Non, désolé, je ne connais pas d'Oscar. Madame, s'il vous plaît, il est costaud comme ça, il est noir. Il a les yeux qui regardent à gauche et à droite. Il a un tatouage ici sur l'épaule. Mais monsieur, je vous ai dit que je ne connaissais pas d'Oscar. Non, madame, quand vous parlez comme ça, c'est comme si je suis en train de vous déranger. Je vous explique que moi, je sors de Bamenda. Avec la crise anglophone, là-bas, on a brûlé tout notre village. On a brûlé mon père, ma mère, tout le monde. Je suis venu comme ça là parce qu'on m'a dit que mon cousin Oscar est venu à Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé comme ça, on m'a indiqué qu'il doit venir dans le secteur. Si depuis 3 ans, je le cherche comme ça. Je suis déjà fatigué, madame. Pardon, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Madame, comme je ne vois pas Oscar, j'ai envie de rentrer en Balmario pour aller regarder au moins. Si il y a ma tante là-bas, le successeur de notre grand-mère, si elle peut m'aider, pardon, pour que je trouve la famille. J'ai envie. Pardon madame, aidez-moi, je n'ai même plus 5 francs sur moi. Il me reste combien pour aller en Baïmaïon? Madame, je ne connais pas la ville. Mille francs, ça peut vous aider. Madame, mille francs, c'est petit. Ne dis pas que je sais, vous me donnez avec le cœur, mais madame, je vous jure que 1 000 francs, je ne sais pas si ça peut m'aider. Donc vous simplifiez 1 000 francs? Madame, vous ne connaissez pas ce que c'est que la guerre. On a tout perdu. On a brûlé notre village, les plantations et tout. Là, moi, je suis là, je suis un grand. J'avais les bœufs, Ça va, ça va. Voilà, 5 000. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Madame, si je vois Oscar, je dis que qui m'a aidé. Ce n'est pas important. Merci beaucoup, madame, ce n'est pas important. Madame, ce n'est pas important. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait, madame, ce n'est pas important. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Bonne chance, monsieur. Merci. Au revoir, madame, ce n'est pas important. Manger l'argent, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bosser l'argent, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Manger l'argent, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bosser l'argent, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Pour être quelqu'un, oh mon père, il faut bosser très dur. Être fou à l'heure, hey. Il faut bosser très dur. Ingénieur, polytechnicien, hey. Il faut bosser très dur. Pour bosser taxi, man, comme un sans pousser. Il faut bosser. Même si c'est dur comme mon soeur, il faut jamais passer. Bonsoir le père. Bonjour. Excusez-moi, vous connaissez un certain monsieur Ndoumsop? Qui? Monsieur Ndoumsop. Ndoumsop? Il travaille au port. Au port? D'accord. Le port où il y a souvent les bateaux, on déjà les conteneurs là, quand les gens viennent prendre les choses pour la blocade, le port. Nous sommes à Yaoundé, hein. Le port c'est à Douala. C'est à Douala. Nous sommes à Yaoundé. Je suis moi. En fait, monsieur, je sors de Bafoussam. Il y a mon père, ma mère et tous mes 4 frères, mes 5 frères, plus celui qui était dans le van. Ils sont morts dans l'éboulement de terrain. On nous a dit que pour qu'on nous dédommage et qu'on retrouve les corps, il faudrait que je vienne avec l'acte de naissance. Je suis donc venu à Yaoundé comme ça, parce que c'est lui c'est monsieur Ndoumsop, mon oncle, qui a tous les documents de ma famille. J'arrive maintenant, on me dit qu'il a Douala, il ne sait pas comment il veut faire. J'ai seulement 500 sur moi pour arriver à Douala, il ne sait pas comment il veut faire. C'est de la volonté, mais c'est attends aussi quelqu'un qui doit me donner de liquidité là.
C'est la personne que je regarde dans mon téléphone. Là. Elle m'a fait signe. Le problème, si vous n'avez pas le liquide, faites-moi un dépôt Orange Money. C'est pas du vous tapez Jazz 150 étoile, vous mettez le numéro, vous mettez étoile, vous mettez le code, vous montrez comment on fait. Vas-y, dis qu'on fasse comment, les étoiles. Donnez-moi, il veut faire. Dis-moi. Jazz 150 étoile. Vous mettez mon numéro 6, 94, 80. J'ai dit 80, pas 80. Ah oui. 80, 86, 08. Mettez étoile. Mettez le montant 10 000. Tu n'as pas assez d'argent, hein? Mettez alors 5 000. Ouais. Mettez 5 000. Vous dérangez. Mettez votre code. Vous mettez Jazz, vous validez. Vous n'habitez pas à Yaoundé? J'habite à Bafoussam, moi je vis à Bafoussam. Je suis un étudiant comme ça, j'ai laissé les cours depuis 4 jours que je viens chercher mon homme. Vous avez envoyé. Merci, s'il vous plaît, je vais trouver un point de passage. Merci beaucoup, je vais trouver un point quelque part, que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Seulement si vous entendez qu'un certain monsieur Ndoussop cherche son neveu, c'est moi. Si je vois un monsieur qui par ça, je vais lui. Merci beaucoup, au revoir. Bon, bonne chance. Hein, merci beaucoup, le père. La vie, oh, la vie, oh, la vie, oh. La vie, oh. C'est pas facile, oh, facile, oh, facile, oh. C'est pas facile, oh. Secteur! Fire! Fire! Assez, mon frère! Oh, le gars, c'est qui pour appeler? C'est vraiment. Oh, le gars est dans les bons ways. Bamimbo. Fire! Gars, partenaire, toi, j'ai connu les jeunes. Moi, je suis comme ça là. Après moi, je sors du don de ton gars, Kakonengi. On a libéré là pour la corvée, donc je suis senti comme lundi prochain. De retourner là au quoi, tu dis que la waka fatigue, ça fait mal. Je vais tenir avec les gars, je vais me donner un petit way. Je vais chopper une poisson de zambang, je vais dans le chaud, c'est chaud. Tout au matin là-bas. Quand c'est le matin, je suis au gaz comme ça, que c'est une malchance. Je suis au sac quelque part, il y avait un téléphone volé qu'on a posé à côté. C'était le boom là, seulement que les gars m'ont choisi d'un bat-lock que fait et fait du côté. Pardon, gars, un petit peu seulement, peut-être ton partenaire. On t'appelle comment? On m'appelle Donzo. Et je m'appelle Malo. Je suis allé tout seul, ça va aller. Alors dis-moi la chope, moi, il n'y a pas, gars. Mais vrai, non, la vie du dehors là, c'est le sac. Mais tu peux vous manger avec ça non? Je vais vous chopper. Moi j'ai arrêté là, le haut de manger des herbes là. Moi, tu peux vous chopper avec ça? Au nom de Tcha, on va chopper les herbes. Je vais chopper avec tout. Oh, tu chasses ça, tu pousses avec. Oh, pépé! Un gars du Tchasse, un gars du terre. Comme il y a les moulins de barré, on pense qu'on n'est pas le hard. Tiens, gars, chapeau, tiens, non. On se tient. La serviette là, gars, tu vas l'avoir un connu, on va pas le servir. Pas exagéré, on te chope combien tu as tout. Ah, alors. Oh mon gars, si tu arrives à Koningi, demande le blanc dans ce que nous là-bas. Vous les moulins débarrer, vous voulez tout le monde. La vie, oh, la vie, oh, la vie, oh, la vie, oh. C'est pas facile, oh, facile, oh, facile, oh. C'est pas facile, oh. Manger l'argent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bosser l'argent, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Manger l'argent, c'est bien, c'est bien. Excusez-moi, je suis, vous connaissez l'ambassade du Sénégal. Après moi, je sors du Sénégal, je suis arrivé en Simanel là vers 16h. On a volé tous mes bagages. J'ai même pris un taxi course qui m'a amené dans un quartier là. Les gars ont volé toutes mes choses. Donc là, je suis là, il n'y a même pas 5 francs sur moi. Je voulais, si vous pouvez m'aider là, pour compléter l'agent de taxi vers l'ambassade pour aller déclarer que je suis là. Tu ne me reconnais pas.
Non, madame, vous ne connaissez pas moi, n'habite pas ici. Regarde-moi bien, regarde bien, mon vieux, je ne me reconnais plus. Hein, je vois, je ne vous connais pas, madame. Est-ce que vous êtes à les ensembles? Tu ne me connais pas. On ne s'est pas croisé la dernière fois là-bas à Tongolo. Tu m'as demandé l'argent du taxi. Hmm? Disant que tu avais les problèmes, tu n'as plus 5 francs sur toi. Qui t'ai donné. Ah hmm? Oui. Ça fait quelques jours, on s'est encore vu là-bas, à Olembe. J'étais encore. J'ai encore enlevé l'argent, je t'ai donné. Ouais, tu ouais. Marches partout, partout. Il est quelle heure? Maintenant, tu es en train de me demander l'argent, tu me demandes l'argent. Regarde-toi. Tu as tes deux bras, tes deux pieds, tu es homme, comme ça là devant moi. Tu mendies, tu demandes l'argent. Regarde comment moi je suis. Hmm? Moi, je suis la présidente des personnes de petite taille. Et moi, je suis là pour je bataille pour le bien-être des personnes de petite taille dans la société parce qu'ils sont marginalisés, discriminés. On est en train de tout faire pour qu'ils puissent avoir du boulot, pour qu'ils puissent montrer qu'ils sont capables de tout faire, comme les gens comme toi. Prendre les exemples sur les gens comme toi qui se battent, mais pas que les gens comme toi qui mendient. Ça, c'est pas à mendicité, là. Talakou, c'est pas à mendicité, mon frère. Ça, c'est en Talakou que je suis en train de faire. Bah, ne me manque pas de respect. Je ne te manque pas de respect, je te dis ce qui est. Quand toi, tu mendies, la personne de petite taille à qui je vais donner la leçon va me dire quoi? Va dire. De toutes les façons, la prochaine fois que je te vois. Tu as fait quoi? Si tu as rien, dis que tu as rien. Tu n'as même pas honte. Honte de quoi? Un grand comme toi, avec tous tes bras, avec tout ce que tu as là comme homme. On lance les concours partout, tu ne peux pas faire ça. Président de l'association, c'est un travail. Tu ne peux pas faire ça. Eh, va là-bas. Eh, bouge là-bas. Ne bouge pas. La prochaine fois que je te vois, j'appelle la police. Appelle la police, je m'en calme. Je suis sûr que tu n'as même rien là sur toi. Ça fait quoi? Tu vas manger. Sans concours, tu vas avoir ça. Manger aussi, si tu peux. Tu es vraiment mendiant. Va, avance, manger. Bouge là-bas. Regarde-moi ce qu'il a sur la tête. Il y a des temps qu'on m'a mal. Y'a pas de récompense pour les paresseux, mon frère. Bat-toi. La vie, oh, la vie, oh, la vie, oh. La vie, oh. C'est pas facile, oh, facile, oh, facile, oh. Non. Mon frère, il te dit que le gars là, le type là est dans la secte. Il te dit, si c'est pas la secte, que peut-être il a vendu son père et on n'a pas encore payé. Ou alors peut-être même que son père n'est même pas mort, vrai. Peut-être il a simulé la mort de son père comme ça là. Et c'est pas le corps de son père qui était dans le secret. Peut-être c'est la poupée. Non, laisse ça, le gars là, la jambe. Écoute-moi, Ludo. Le secret de son père, c'est un secret qui pouvait coûter dans les 1,5 million. J'ai vu la veste là-bas, j'ai vu la veste, je connais, j'ai vu le costume de son père là, c'est le costume, le 1 million. Le programme des obsèques, mon frère, le programme, la qualité du papier, le papier glacé. Mon frère, il dépense l'argent comme ça là pour les victimes. Nous, on achète le t-shirt. Gars, le t-shirt coûtait 15 000. 15 000. Et les gens de t-shirt là, je connais ça. C'est déjà le t-shirt qu'on fait à 2000 là. Il a bénéficié 80% de retour sur investissement. Tu parles de quoi? Oui! Mais il n'est même pas à la collation. Il n'est même pas capable de recevoir les gens normalement. J'ai mangé quoi? On m'a donné un petit peu. Ils ont pris la pierre comme ça. Ils ont trempé dans l'huile du poisson. Ils ont caressé. C'est ça que j'ai mangé à la collation. Oui, mon frère! On parle à la nuit, c'était même pas le téléphone profit. Il pleut, mais c'est le café, ou bien c'est le contre café, ou bien c'est quoi même qu'ils ont donné aux gens, je ne sais pas. Gars, je dis, non, pour Marou, on peut comprendre. La relation chez Marou, pour Marou, c'est un musulman. Quand son père m'a appelé directement, mais lui n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Gars, tu gardes le corps de ton père à la mort pendant 2 mois. 2 mois. Et tu n'arrives pas à recevoir les gens à la collation. Non, il est chiche. Il est chiche. J'ai vu quoi? On m'a donné une petite canette de bière. Les bières, les marques de bière qu'on ne connaît même nulle part. Tu tapes la marque de la bière sur Google. Ça te montre la photo d'avance la vie. Non, gars, mon frère, il dit, attends. Quand mon père va mourir, il va montrer aux gens là ce qu'on organise. Tu comprends? Si je ne suis pas prêt, je n'organise pas. Les gens ne peuvent pas partir les Yaoundé vendredi. On roule d'abord pendant 2 jours pour arriver dans ton village. Les voitures déjà se sont battues. On vient même donner la nourriture à la population. J'ai donné 50 000. Ma femme a contribué. J'ai contribué pour 2 personnes. Ma femme est rentrée là-bas avec les mounous. Et on a même rien mangé, on a rien vu. Hein?
Non, je dis que mon frère, si tu as deuil dans ta famille et tu n'as pas l'argent pour organiser les obsèques, pour bien de la nourriture aux gens, ça ne sert à rien. Tous les gardes du corps comme un noir pour courir devant le corbillard, choisir le corbillard cher, le secret cher. Si tu n'as pas l'argent pour la relation, tu n'as rien fait. C'est un pouvoir pour lui. La bouche ouverte, la poitrine bombée, bras écartés, les jambes écartées. La bouche ouverte, la poitrine bombée, bras écartés, les jambes écartées. Le sang, c'est le sang, le sang, c'est le sang. Le sang, c'est le sang, le sang. Je représente mon pays, on est toujours solidaires. Maman, le soleil qui a dehors l'air, c'est la magie. Je dis, donc tu as la raison, tu ne peux pas m'aider, c'est laisse la classer tes choses. Toi, tu as la raison, tu ne peux pas voir que depuis là, j'ai les difficultés financières, tu ne peux pas payer l'abonnement. Le soleil, donc, voilà, tu viens, tu veux me parler de tes frères et tous les filles. Quel est le travail des filles, je suis devenu quoi? C'est quoi ça? Quoi? Ça. Ah, peut-être c'est les parents, c'est ta mort, les trucs, les trucs, les trucs. C'est les parents ici. Ok. Préservatif, hein. En plus, c'est pas du parfumé. Je t'ai dit que la maison, tu dois avoir l'intimité. Quand maintenant tu tombes sur un truc comme ça, les préservatifs, si elle n'a pas tombé sur ça, tu vas dire quoi? C'est mes frères qui ont les habits ici. Ce que je sais, c'est que je ne mets pas n'importe quoi. Même avec moi, encore moins en préservatif. Moi, je mets du Manix, du Dance Plus, du Rex, du Racel, tout. Tu parles de super, super Alex. C'est les gens qui ont sorti ça. Mais non, elle a un peu de tenue quand même. Je tiens ma visibilité. Tu ne parles pas de préservatifs, de mettre des préservatifs de taille 32. Madame, je mets du 42. Et tu connais ma visibilité. En plus, on peut me poser des questions comme ça. Il y a des gens dans la maison aussi, on n'arrive même pas à vivre dans l'intimité. Parce que les gens sont là, ils rendent visite quand il ne faut pas, ils montent quand il ne faut pas, ils font tout quand il ne faut pas. Et quand elle parle, madame est là, elle s'en fout. Elle veut me poser la question, c'est quoi l'intimité? Voilà donc. Voilà. Si mon enfant mal à la tête, à cause de tout, tu vas voir. Le comportement rétrograde, comportement bisextile. Je suis un homme. Je respecte mon homicide. Tu vas pas venir marcher sur mon autorité dans cette maison comme n'importe quoi. Pas parce que depuis 15 mois, c'est toi qui paye le loyer, hein. Quelle est cette manière, ça? À un moment, faut savoir dire non, faut savoir dire stop. C'est quoi, ça? Je parle à madame, c'est le 8 mars. Elle m'a cru d'avoir mis le préservatif de pacotille. Avec lui, oui, c'est lui d'arachide, c'est lui de coton, c'est lui de quoi? Madame, je suis cultivé, hein. Les petits préservatifs des enfants de moins de 18 ans. Madame, je suis un millionnaire. Un bonobo, on ne monte pas sur mon intégrité, pas sur mon homicide. Je suis un homme. Hein? Et que ça s'arrête. Ça s'arrête. Faut continuer. Un jour, ça va passer à la vitesse supérieure. Je vais dire, je vais te claquer devant moi. Ça, c'est quoi ça? Madame vient me poser des questions, Je dois tout faire. Je suis obligé de cette maison. On a trouvé une ménagère ici, elle a chassé. Rose, tu me connais. Je suis d'abord un sportif professionnel. C'est une quoi ça? Tu peux parler à une femme, elle fait ce que tu veux. C'est-à-dire que la liberté d'expression de ce pays-ci, c'est une liberté de pression que tu as même. Un jour, quand je vais mourir dans la maison-ci, c'est là que tu as même pleuré. Et ne porte pas le noir. Ne porte pas le noir, mon Dieu. C'est comme si tu veux sortir de la. Je vais te justifier d'abord. C'est une sorte de voir. Je peux lui parler ici, là, parce que madame me regarde, madame manque de respect. Il y a un moment où je vais dire stop et on va revenir aux habitudes ancestrales. Le fouet.
À vos ordres, monsieur. Voilà. C'est quoi? Un vieux caractère. Et prépare vite pour aller à fond. Je demande sa sorte. Tu sais, Rose, je pense que c'est l'heure à laquelle tu te sois à manger. Donc, sincèrement, tu as les choses importantes. Tu vas faire à manger parce que j'ai faim. Je t'ai dit que cette maison est devenue la chapelle, la cathédrale. Tout le monde entre comme il veut, fait ce qu'il veut. Et ça, ce sont tes frères. Donc, sincèrement, si tu veux m'accuser de port d'utilisation de préservatifs de pacotille, sincèrement, ce n'est pas le moment. Donc, si tu cherches un coupable, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Va chercher ton coupable ailleurs. Et si tu es fâché, va brûler le lac. Mon ami, c'est plus ta femme qui te parle. C'est ton chef qui te parle. Laisse-toi de la porte. Le préservatif, là, sort d'où? Rose. L'abus de pouvoir, c'est quelqu'un qui peut te conduire. On va t'enlever la pilule là. Je suis prêt à aller dans les instants les plus hauts pour te faire comprendre que. Ah, ferme ça. Le préservatif, là, sort d'où? Rose, sincèrement, pas parce que je te laisse souvent faire. C'est pas parce que tu es femme à tenue que tu vas abuser ton pouvoir. Même l'État condamne ça. Quand vous, les femmes à tenue, voulez abuser votre pouvoir, tu n'es pas d'accord. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Le préservatif, là, sort d'où? En fait, c'est la ménagère. C'était dans la poubelle là-bas. Elle tentait de faire le ménage, elle a enlevé ça. Elle est partie, commencer à faire. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Mais tu te fous de qui? Tu racontes les conneries pour quoi? Mets-toi à genoux. Le préservatif, là, sort d'où? Tu blagues avec moi. Tiens, tiens, tout seul. Attends. D'accord, voilà, je t'écoute. Tout ça, c'est Camden. J'ai déjà dit à Camden que moi, je t'ai dit que je ne veux pas cette amitié avec Camden. C'est toi qui m'as demandé de pardonner à Camden après tous les coups qu'il m'a déjà fait. Camden, je suis allé jouer au 2-0. J'ai mis mon pantalon, j'ai posé. Camden m'a dit que mais pardon, mon ami, je vais essayer. Camden prend mon pantalon, mais il a fait comment avec. Il a mis le préservatif dedans. Maintenant, que moi, tout ça, c'est Camden. Et c'est pourquoi il n'est pas en affaire de Camden là. C'est toi qui m'insiste tout le temps que non, je dois m'entendre avec les gens du quartier. Il t'a dit que Camden, non, je vais nous mettre dans les problèmes. Regarde dans quelle situation est-ce que toi et moi se retrouvent à cause de Camden. Moi, je pense que vraiment, je vais couper cette relation là. Parce que cette relation me met tout le temps dans les problèmes. On n'était pas au deuil de Camden dernièrement. Hein? C'est pas le Camden là, c'est l'autre Camden qui est celui qui a la violence qui fait la chose là. On touche à part l'école, il ne veut pas aller à l'école. Il se lance dans un emploi, tout, dans le il vient, il me met dans le verre. C'est quelle mentalité, ça même. Pourquoi pas quoi? Appelle Camden. Et tu mets le coup à l'heure. Fais vite. Est-ce que j'aime encore le crédit? Quand les opérateurs là, ils le crédit finissent. Et attends, il veut l'appeler, il vient. Appelle Camden là. Tu bouges pas. Tu es là. Si, je vais appeler Camden et c'est toi qui auras honte. Je n'ai pas envie qu'on se trouve dans la même situation. J'espère. Appelle Camden. Sincèrement, dans un couple, on doit pas se faire confiance. Et moi, je ne pense pas que la violence soit la meilleure solution. Tu dois me faire confiance pour me faire confiance. Je ne t'ai jamais demandé ici là que quand tu me dis que tu parles. Mets le mot parleur. Arrête de babader. Mets le mot parleur. Camden, écoute-moi très bien. Donc voilà, tu me mets dans les problèmes. Déjà, ma femme qui est très fâchée. Mon frère, en fait, deux mois, je ne suis pas là. Deux mois, il est même que je suis allé au nord, mon frère. Comment tu dis ça? Est-ce que. J'ai laissé la lettre là, mon petit frère, de te remettre. Camden, tu as vu la lettre? Non, il y a la fille que tu as m'enseigné là, tu es venu voir ma femme. Je ne voulais pas te dire depuis. J'ai créé une ONG. Tu te fous de qui? Non, j'ai créé une ONG qui lutte contre la destruction de l'environnement. Et les plastiques non biodégradables sont un facteur vraiment de dégradation. Dernièrement, on a eu l'incendie en Amazonie et tout ça, ça a joué à cause de la pollution. J'ai donc pensé que comme la ménagère avait le préservatif, j'ai dit qu'elle ne doit pas aller jeter ça n'importe comment. Elle me donne du mélange en bouche, je vais aller jeter. Donc, mon association va aussi militer pour le port du préservatif. Parce que toi et moi, c'est même, on ne porte même pas le préservatif. Parce que toi et moi, tu es ma femme, je t'aime. J'ai même pensé qu'il est temps vraiment que j'aille voir tes parents. Allez, racontez les conneries. Cherche-moi les menottes. Allez, on va.
Et donne-moi ton téléphone, fais vite. Attends. Donne-moi ton téléphone. Là, les menottes. Ah. Fais vite. Ah, je vais te menotter. Ah, moi, je vais voir comment cette fille va te chercher. Allez, passe ici. Passe. Passe. Le sang, c'est le sang, le sang, le sang, le sang, c'est le sang, le sang, le sang, le sang, c'est le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, je représente un homme.